Bonjour et bienvenue dans un troisième épisode de Curiosity. Bonjour et bienvenue dans le troisième épisode de Curiosité. Aujourd'hui, je suis en maillot de bain et pieds nus sur la plage, à quelques kilomètres au sud d'Arcachon. Je me trouve actuellement sur un tas de 55 millions de mètres cubes de sable, autrement appelé la dune du Pilat. C'est la plus haute dune d'Europe, avec une altitude qui varie entre 100 et 115 mètres, 600 mètres de l'est à l'ouest, et 2,9 km du nord au sud. La dune s'est formée et continue à évoluer à partir du sable arraché au banc d'Arguin, banc de sable à l'entrée du bassin d'Arcachon, juste à ma gauche. Le banc de sable est alimenté par le flux et reflux des marées dans le bassin d'Arcachon. Chaque année, en plus des baigneurs, il attire les oiseaux qui viennent y faire leur nid à l'abri des prédateurs terrestres. La dune du Pilat est la dernière dune de la côte encore en mouvement puisque les autres dunes plus petites au sud et au nord ont été totalement arrêtées en 1830 environ par la plantation de la forêt de pins, tandis que la dune du Pilat continue à avancer vers l'est à une vitesse d'environ 1 à 5 mètres par an. La dune est un espace naturel protégé et est accessible à pied uniquement. Rassurez-vous, un escalier est prévu pour acheminer le flot ininterrompu de touristes tous les étés. Là, ça bouge. Mes yeux, ils sont cramés.